Ote na balandi na biso ya Congo Live Television na bisika nyonso bozo kanga biso na ngonga oyo tuzo. Tozali susu toye kolobela basango oyo ya mboka na biso Congo, plus précisément oyo ya est ya kati ya mboka tolobi boye elamu. Bonjour encore une fois de plus ba papa, ba mama, ba frère na ba sœur boye bozolanda biso na Congo Live Television tolobi matondo mingi pona fidélité oyo bo kabela biso tolobi fidélité merci mingi na confiance oyo bo kabela biso pona ko informer bino pona ko pesa bino basango oyo eza ya vérifier basango oyo ya kitoko basango oyo eza nango ya malamu o boye baka bisika nyonso bozali mayemaso bazo salema na kati ya mboka na biso. Les dames et messieurs, nazo souhaite bino risusu ko boye elamu kolanda nouveau numéro na biso ya lelo 5 mars 2024 lelo. Toza les 5 déjà mokolo mwazo kende mas kasi ya mapinga ma ekolo. Ezo mona na terrain ndenge na ebisa kibino keno makambo mazali ebele na maye mazo sale manakati ya mboka na biso donka. Yango wana ifoke eboyeba. Pona lelo Ava Nabanda Naza Youssoufou Kibingila David Naza journaliste d'investigation basé à l'est de la République démocratique du Congo ye oyo amemela kabino basango oya bitumba ezo sale manakati ya mboka soki munguna atiki koloba lukuta biso tozana biso wana pona kopesa bino vraie version ya makambo oyo ezo sale manakati ya mboka na biso. Pona lelo tokolobela basango ebele dans les trois territoires du Nord Kivu qui eux sous occupation ou sous contrôle ba territoire nakati na bango ya na ba localité oyo munguna si ya Vandela nakati na ba territoire wana eza na ba esika oyo munguna asi azui lokola propriété privée nango lelo tokolobela suite ya makambo boni ezomi déroulé. Suite ya bitumba boni ezo continue. Boni bazo déloger ye. Persistance na ye eza nini. Aujourd'hui vous allez savoir qu'est-ce qui mène le Rwanda à l'orgueil. Lelo bokoye bango. Nini ezo tia Rwanda mobulu. Nani vraiment vrai paré na ye oyo azo pesa ye makoki wana ya kosala mobulu ya kosala orgueil na RDC. Il n'est pas seul. Le Rwanda zaye mokote. Naye moko akosala biloko oyo azo salate. Banani obaza sima naye. Obazolinga babebisa makambo na kati ya mboka. Obazolinga ba impose biso biloko. Ego simbate. Deja a ce début ya émission oyo soki o soutenir FRDC, o soutenir RDC, o soutenir Wazalendo, o soutenir bana mboka nyoso bazondi mabakufa pour que mboka oyo za balkanize te. Zala deja na commentaire na yo. Zala déjà na commentaire na yo na signe ya ko soutenir FRDC mapinga ma ekolo mayemazo kufa likolo ya intégrité nationale na biso. Déjà au départ je signale que eza bien te yo za mwana mboka o sala ka ba commentaire moko négatif ba commentaire moko négatif likolo mboka na yo te biso nyos toza na lit moko ya kobeta munguna abimisama libanda ya mboka na biso. Biso nyoso tozana na lit moko mutuna rana e mutuna mutuna makas na e mutuna mutuna kwe na e oza commerçant mais on incliné déjà na mutuna yo keno na commerce ozo sala bien que ozo sala yango mais tozana na lit ya kosilisa bitumba tozana na lit ya kobengana mungu na libanda oza joueur tala kutu ba joueur ils ont exprimé ça ba joueur ba exprimé ki makambo yango ba lobaki yango. On nous dit, mais les gens ne parlent pas. On nous dit, mais la communauté internationale, c'est eux. On nous dit, le monde entier n'intervient pas dans ma cambo et ma zosa le manakati en boka na biso. Déjà dans votre commentaire, soutenez les FRDC. Soutenez les Wazalendo. Tia bango le boko bana mboka oyo. Bazon di mabat dae likolo en boka oyo. Tia bango déjà le boko. Aux musiciens. Topeki si yote osa la musique. Je ne saurais pas citer le nom de quelqu'un ici, mais bohemi et binenge bozalak. Vous chantez l'amour, c'est bon. Mais la banzembo na yo wana déjà yeba ke toza na lit.
si vous pouvez les manifester au travers de vos chansons là-bas, au travers de vos clips. Bolo bakayango. Oza bureaucrates, oza na bureau, mais yeba déjà que non bendele ekoyate. Pona ni na bureau na yo tiata bendela R2C. Soutenir la patrie même au-delà. Soutenir la patrie là où tu es. Et ça fera du bien na katia bi yamboka oyo na biso RDC to Congo. Yango le lot relobe la situation dans les Masisi, dans les Rutshuru et dans les Nyiragongo. Mais pour commencer, nous allons commencer aujourd'hui sur la situation sécuritaire dans les territoires de Nyiragongo, de Rutshuru, pardon. Qu'est-ce qui se passe à Rutshuru? Qu'est-ce qui évolue à Rutshuru? Tokolobela Rutshuru, Nyiragongo, Masisi. Rutshuru, c'est au nord de la ville de Goma, là où on est à Parensta. Nyiragongo, même au nord de la ville de Goma. Masisi, c'est à l'ouest de la ville de Goma. Il y a quelques jours, je vous avais dit ici que non, cité Moko Ezalakanakati à Rutshuru, Babengaka, cité de Nyanzale. Eza sous menace, il y a Rebelle M23. Il y a les Wazalendo et les FRDC qui sont là. Mais les rebelles du M23 tentent toujours d'occuper cette cité. Depuis qu'ils sont dans les Rutshuru, ba tanta kozwa cité wana et simbate. Ils ont essayé et simbate. Parce que lobby wana, les rebelles du M23 sont venus et ils ont attaqué ba extrémité à cité wana. Ils ont voulu prendre la cité de Nyanzale, là dans les Rutshuru. Parce qu'il faut préciser que les rebelles du M23 n'occupent pas tout Rutshuru. Ils n'occupent pas tout Rutshuru. Alors, ils sont venus. Ils ont commencé depuis 5h30. Les crépitements de balles, des armes lourdes et légères ont été entendus dans ces coins. Le rebelle du M23 n'a pas su prendre la cité de Nyanzale. Basala ki bitumba fromoko oye sengela ki basala. Les jeunes résistants Wazalendo ont dit biso tokoti kamboka oyo jamais. On ne va jamais accepter que les rebelles du M23 akota na kati amboka. Alors, qu'est-ce que le M23 à son échec a fait dans les territoires de Rutshuru? Les rebelles du M23 ont été repoussés. On les a tués comme pas possible. Et la cité n'a pas été prise. Ça, je précise bien. Différemment de ces informations-là qui circulent sur la toile, au Munguna si a futa batu, po ba kindakana ba sango ya lukuta. Cité wana e simba makite. Cité wana timukolo tozolo ba ezana maboko ya FRDC na Wazalendo. Après que le FRDC et le Wazalendo aient tué ces M23, qu'est-ce que les M23 ont fait? J'ai un bango comme d'habitude. Ils ont largué 3 bombes dans cette cité-là. Après avoir largué 3 bombes dans cette cité, la population a été paniquée, comme vous êtes en train de le voir dans cette vidéo. La population a été paniquée. La population a été obligée de fuir et la cité wana. La population a été paniquée, panique généralisée, panique totale. Population qui est obligée et kende etika mbokawana. Pourquoi est-ce que les rebelles du M23 veulent à tout prix prendre cité wana? Boebi koto na Congo, Congo eza mboko eza riche. Minerai à Congo eza un peu partout na kati ya RDC. Balingi bazwa ba cité minière. Balingi bazwa somikivu o eza de l'autre côté. Yango wana bazo luka. Ils sont en train de faire tuer les gens. Ils sont en train de massacrer les gens pour les intérêts à ba minerai. Mutema mabe nini oboza nango. Eza mutema mabe nini oboza nango. Corne enanga, de là où il est. Na bitsake chaque jour. Oyebi corne enanga, oye kokota na makambo oyo yebite. Ba tu ba banda makambo. Bazana ba place bazali. Ma revendication na yo lelo koti masolo pour désestabiliser vos frères congolais. Batubazo kufa, batubazo la lanzala, batubazo za la violer.
Parce que seulement les gens veulent avoir les intérêts aux états privés na bango. Yango bitumbe salamaki autour de la cité de Nyanzale. Ils ont menacé Nyanzale hier comme ils ont encore menacé Sake. Mais ça n'a pas pris. Et Simbagité, ça n'a pas tenu. Les affrontements dans les territoires de Rutshuru et Simbagité, Lobi et Payamunguna, il a été tué, il a été massacré, il a été tué sérieusement. Pourquoi est-ce que ces gens ont lancé cette opération dans la cité de Nyanzale ou autour de la cité de Nyanzale? Pourquoi est-ce qu'ils ont largué des bombes dans la cité de Nyanzale? Parce qu'il faut comprendre les faits. Ben 23 abattu, tu es bisco déjà, j'ai na bango, boni bazo continue. Ils ont fait cela, c'était juste après que les Wazalendo ont réussi à tuer la semaine dernière un officier, un commandant, un colonel, un élément pilier principal de M23. Babou Makiye, les Zouzou, na place Oyo, bango ba occupé. Et comment est-ce que les Wazalendo ont eu la capacité de tuer un officier M23 sous embuscade na Esika Oyo M23 Ezali? Alors, Bayoka qui méchant, ainsi ils ont voulu dire que nous allons couper ça à Wazalendo correction. Mais vous allez donner les Wazalendo la correction, les gens qui sont en train de vous tuer. Certains d'entre eux, toujours sur la bango, vous pouvez s'abîmer à temps. Même Nangawana, nous allons vous ramener Nanga ici. Dès que tu ramènes, il y a la communauté internationale, il y a la communauté qui est en train de se faire. Tu parce qu'il y a des traîtres. En 10 000 côtés, il y a des gens qui ont Congo et souffrir. Il y a des souffrir. Il y a des Makambo et ils continuent dans les routures. Rutshuru nyonso eza sous occupation M23 te bako sakabino te. Ils occupent que certaines cités clés. Bazui ba cité eza tellement clé. Bazui ba cité oyo babunaga na wana ba coin stratégique ne bazui. Yango tozo senga. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Mokonzi eza bien, diplomatie eza bien, osalango eza bien. Mais militarisation kotoyo, il faut beau renforcer. Bitumefo et Salema. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis Bitumefo et Salema lorsque Tokolobela, oh, il y a territoire, il y a Nyiragongo. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans les territoires de Nyiragongo? Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis il est important de faire la guerre. Il est important de faire la guerre. Je suis parmi ceux-là qui estiment que ça la bitumbeza bien. Bientôt, on va faire la diplomatie. Mais, nous allons faire dans la table Moko, Bison à Rwanda. Que Rwanda y est bas. Ceux qui sont là, ils ont une solution. Ceux qui sont sur le terrain, ils ont une charge. Dans le territoire de Rutshuru, c'est ça la situation qui s'est déroulée hier. Les choses, elles ont continué bongo. L'M23 tente de prendre Nyanzale, mais Simba quitté. Baïchouaki, vous qui faisiez des critiques, vous qui soutenez le M23, Bino Volandakabiso, Toyebi, Bamoko Moussousou, il y a certains d'entre vous qui vont soutenir M23. Tant pis pour vous. Mais une chose sûre et certaine est que Biso Toyebi, un jour, la victoire sera à notre faveur. Les rebelles du M23 ici, baroki marabakozanga ratanzela ou baroki melarate, va continuer à avancer. Un jour, même la population sera débordée en colère, pe bakosa la kabilo koka. Eko sa le mamukolomoko. Eko sa le makamukolomoko. Ça pourra être même avant que le gouvernement congolais prenne ses responsabilités, prenne ses dispositions pour voir ce qu'il faut faire pour mettre fin à la guerre à l'est de la République. Voilà donc, ils ont tenté de prendre cette cité, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu vraiment. Et ça, c'est juste après que les Wazalendo ont réussi à tuer deux officiers M23. Lors de ces bombardements, il y a des civils
trois personnes, il y a des civils, il faut dire, il y a des civils au Bakoufa qui, d'autres ont été blessés, voilà donc. Mais du côté de l'ennemi, ils ont enregistré de lourdes pertes. Ba bungisa ki batuna bango ya malonga na bitumba ya lobby. Des renforcements nyoso ezaki signalé dans les deux jours. Ba bunga ki na bango lobby na bitumba wana. Huit civils dont trois enfants et deux femmes pendant la vie perdant la vie et plusieurs blessés lors des combats qui opposaient depuis 5h30 de ce lundi M23 aux forces armées de la RDC. Donc il y a huit personnes, il y a trois civils, trois enfants, il y a huit personnes dont trois enfants, deux femmes na mibali misatu oyo bakufa ki na bombardement oyo ba M23 basala ki wana nyoso sur la tête de Corneille Nanga. Corneille Nanga sala bien ba aventir na yo me oyé ba na yo ke no wana nyoso batu bazo kufeza na mutu na yo. Alors que les affrontements se poursuivent, une affirmation qui est venue de l'autre côté, il faut signaler que les jeunes Wazalendo contrôlent jusqu'à présent la cité de Nyanzale. Dans ce village, un pillage systématique de boutiques et maisons d'habitation s'observe à ce moment, selon plusieurs témoins sur place. Jusqu'à 18h de ce lundi 4 mars, la cité de Nyanzale reste sous contrôle des jeunes résistants Wazalendo et des éléments de la force armée de la République démocratique du Congo. Voilà donc la situation dans les Rutshuru. S'il faut parler de la situation dans les Nyiragongo, il faut noter que après des années d'occupation du village de Kibumba en territoire de Nyiragongo par la coalition M23, RDF, UPDF, AFC et d'autres Nation Oetikali na anonima et lingite komi dévoilé, la société civile alerte sur la vente des parcelles à Nyiragongo par des sujets rwandais. La société civile qui lance cette alerte précise que les auteurs opèrent à complicité avec certains chefs locaux installés par la rébellion. Vous devez savoir qu'il n'y a plus de limite entre la RDC et le Rwanda dans ces zones. C'est pourquoi, étant l'acteur principal de la rébellion qui dérange la RDC, le Rwanda est en train d'envoyer même ses enfants pour venir occuper des champs des Congolais. Actuellement, il y a des ventes, des champs et des parcelles, notamment à Kibumba et Buhumba, a fait savoir Mambo Kawaya, président de la société civile de Nyiragongo. Qu'est-ce qu'il faut noter? Le gouvernement congolais, Bozawapi, Tuzawana pona kopesa kabino basango o ya makambo ezo salema. Toyebi bien. Même moi là, on est menacé par le rebelle. Bazo menacé biso. Mais tant pis. Vaut mieux mourir debout que mourir aux obatama. Okufi na makambo yebi okufeli. Dans le territoire de Nyiragongo, non loin de la ville de Goma, à quelques 20 km de place au Tozali. Les rebelles du M23 naba tu oyo bazo installer babisika oyo bazo renier Kibumba et Buhumba babandiko teki za ba parcelle ya batu oyo bakima bitumba babandiko tinda batu ko bima Rwanda ba ekolu na bilanga na RDC dans le territoire de Nyiragongo. Pourquoi dans le bas qui est non et Sengela qui est au Bitumba? Raison pour laquelle j'ai dit il faut faire la guerre. Rien que la guerre. Bakote qui sa biloko et panabisote. Bakote qui sa va passer le panabisote. Bako zouape bilanganabiso et koma ya bangote. Et ça ya bangote. Et jusqu'à présent, nous menons seulement des négociations. Pourquoi? On est fatigué, on ne veut plus négocier. Ba négociation comme ça les malins sous. Moi je me dis, Félix Ozo c'est la nini. Qu'est-ce qui vous arrête? Qu'est-ce qui vous bloque? Si vous savez que la communauté internationale, c'est elle qui soutient le Rwanda, comme pensent certains analystes. Si vous estimez que c'est les États-Unis qui soutiennent le Rwanda,
comme a confirmé la population congolaise, certains militants, certains acteurs politiques. Pourquoi ne pas rompre des relations avec ces gens? Pourquoi ne pas commencer la guerre avec le Rwanda? Pourquoi yopé au kokendete ozwa ba relation le couleur ya battu à Iran? Ozwa ba relation ya Naris? Comme ça guerre est à l'officialiser. Vous êtes peut-être à 2000 km. Vous vous souciez de ce qui se passe, mais vous n'avez pas l'idée sur comment est-ce que ça ronge le cœur aux gens qui vivent sur place. Bakoki komona na biso boete mokonzi ozali. Et bien nous allons bien à mon thème. Aux alliés place, aux alliés toi, et bien effort aux salles. Nous savons bien les efforts aux salles, aux la latte, aux autres la basalo diplomatique jour et nuit. Mon conseil, s'il faut arrêter au temps la basalo diplomatique, arrêtez, revenez au terrain, venez faire la guerre. S'il faut le faire. Tout le monde est présent à ma généraux Bayakia. Normalement, n'est-ce pas tout le monde qui lobby. Des jeunes manifestants qui ont manifesté hier. D'ailleurs, je rappelle, il y a moko na bango, il y a 8 homo bakanga ki bango. Heureusement, ils ont été libérés. Sinon, boyoka ki makambo na mboka et sali mabe. Si ces jeunes-là qui ont été arrêtés hier au sein de la manifestation n'ont pas été libérés, ah, mais mboka ce gars qui est batumba yango. Goma est ce gars batumba ngo lo biwana. Pourquoi ces jeunes réclament que ces généraux ne rentrent pas? Batikala au basala bitumba. Batikala au basala bitumba. Baye bazo dirige population nyoso bazala kia bazao. Mesengela ki batikala au basala bitumba. Yango wana dans le territoire de Nyiragongo. Kagame ase azui yango lokola yae. Kagame soutenu par les gens qui ne veulent pas se dévoiler. Ase azui yango lokola yae. Et voilà là où nous en venons jusqu'à aujourd'hui. Voilà les problèmes. Vous voulez mettre des commentaires. Quel commentaire au lingo tia? Tia commentaire à koloba mokonzi ya kosala bitumba. Tokotine le ba commentaire wana. Quel choix faites-vous? Voulez-vous que tout ça la dialogue? Voulez-vous que tout ça la bitumba? Mettez dans les commentaires. Ne commentez pas ya kofinga FRDC. Parce que bazo koufa la bitumba. Ce qui se passe dans les territoires de Masisi, c'est quoi les problèmes? Batoué balembi kokoki mabitumba nasuka ya makambo bango balobi nini. Suivez pour finir cette émission yalelo bokoye banini ezo salema na kati ya mboka oyo. La route Goma Sac est bloquée au niveau de Kimashini au quartier Mugunga par le déplacé en colère qui dénonce les cas de tuerie répétées dans les sites. C'est lundi 4 mars à 20h. Un homme armé a tiré sur un déplacé qui est mort. Un homme armé a tiré sur notre frère déplacé hier à 20h dans les sites de Rego. Il laisse une femme et des enfants. Nous avons quitté des villages Fouya M23. Nous ne comprenons pas pourquoi nous mourons dans les sites de déplacés où nous sommes censés être sécurisés. Il faut que ces tueries cessent. Nous ne pouvons pas mourir de faim et vous nous ajoutez les assassinats. Nos frères qui tentent de retourner dans les zones, les M23 sont également là et ils arrivent toujours à les tuer. Yango tozo senga bakonzi ya mboka basunga biso. C'est ka oyo toza nango eza lokola biso toza condamné à mourir, toza la kawana to kufa pe masolo. Etikala kakabongo. Donc ce qu'il faut retenir dans la situation est que même na batuo bakima kiwana bazo bumamaka ka batuo bazo sala fo usage a manduki bazo ize ba fi ndenge na ebisa ki bino mukolo maleki ke no koza ba soda o bazo me retrouver na bakaya ba déplacer bakiki ko ize na kozanga ya ba fi wana balali na bango bazo misi bango après fi amikuti azana lokote bazo zanga lokwa kolia bazangi lokwa kolata. Et puis, la situation wana e bakisa mili sou likolo. Donc, eko sa ne manango bongo te. Yango wana situation pe ya makambo e mazo salema. Na katia territoire ya Masisi. Makambo oyo mazo salema. Na este ya République démocratique du Congo. Makambo oyo mazo salema. Na katia mboka na biso.
mikolo oyo yalelo ba papa ba mama balandi na biso ya Congo Live Television na bisika nyoso bofandi tolobi matondo mingi mae balanda ki biso lelo po na ba sango na biso oyo tolingaki to kabela bino lisusu sur Congo Live Television chaîne oyo bolinga ka ebele po bosala ba abonnement ebele bosala ba commentaire oyo ya ko soutenir mboka na biso ya ko soutenir mapinga ma ekolo ya ko soutenir ba jeune wazalendo ba ye bazondima kokufa pona intégrité ya mboka na biso oza na eloko ya motuya oza na ngolingi otinde la bato oyo bazo soufri bakima bitumba na bango ekozala le bienvenu pe soki olingi o benga biso na plus 243 9 93 46 71 93 excellente journée na baye bino bozo landa biso à la prochaine pour un nouveau numéro.